Hallo, comment ça va? Là, je sais pas si vous voyez mon chien. Bonjour. Il dit bonjour à Sneaky. Allô? Allô, comment est-ce Ok, donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle. Là, l'éclairage est pourri. J'en reviens. Laisse-moi 2 secondes. C'est-tu un peu mieux? Ouais, ça a l'air d'être un peu mieux. Bon. Boys. Oh boys, the boys. Ok, bon. Là, je sais, je suis squatté, je suis en jogging, en tank top, et puis il fait très froid chez nous. Fait que j'ai vraiment froid. Il annonce pas chaud aujourd'hui, parce qu'il y a un automne. Bon, aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo de fournitures scolaires. Parce que c'est ça. Donc, j'aime beaucoup faire ces fournitures scolaires, là. Là, faudrait que je remette mes crayons dans les tuyaux. Ils me font pas tout de suite. Les tuyaux. Bon! Donc, c'est ça. Je vous reviens avec une nouvelle vidéo de fourniture scolaire. C'est l'avant-dernière vidéo de ma série Back to School. Je sais pas si ça fait hashtag de même ou hashtag de même. Je sais pas si c'est de même. Hashtag Back to School. Bon, là, je vais couper parce qu'il faut que je mette tout dans mes sacs pour que je puisse vous présenter ça. Fait qu'en passant, tout vient du bureau en gros. Donc, c'est les pauses. Fait que c'est ça. Ok, bon, là, on a tout placé. Je vais juste tasser ça. On va commencer. C'est quoi ça? On va commencer par mon sac. Fait que. C'est sûr que je vais changer au cours de l'année parce que j'ai comme un petit sac comme ça, comme les. Des fois, il y a des Français de France qui ont jamais. Il y a presque. Tous les Français ont jamais des sacs de main, c'est tout le temps des sacs comme des grosses sacoches, genre de. Puis, c'est ça. Donc, c'est un sac Reebok que j'ai payé 60$. Fait qu'il est vraiment beau, il est rose, il est un peu vert, puis un peu bleu. Il est vraiment beau, j'aime les couleurs. Fait que. En réalité, ça fait à 70€ en France, environ. Environ. Bon, ça, je vais juste ça, c'est juste un étui, je vais la montrer à la fin. J'ai 4 étuis à crayon par ça. 4 trousses. Après ça, j'avais besoin de 5 cartables de 1 pouce, fait que j'en ai acheté 5. Fait que c'est des marques First Line. Je les ai pris au Staples. J'ai tout pris au Staples. Fait que le premier est rose. C'est super beau. Il y a plein de poils dessus. Le deuxième, j'ai pris des super belles couleurs. Et mauve. Donc c'est un pouce. Il y a un beau mauve. Après ça, le troisième est bleu. Bleu. Comme ça. Bon. Le collant est mis en avant. C'est dommage. Fait que vraiment, c'est très joli. Les anneaux sont très durs à ouvrir, mais il est vraiment bon. Un bleu. Un vert. Puis un juste noir. Bon, je vais juste. Ok. Puis en arrière, j'ai une petite poche. Là-dedans, j'ai un petit miroir pour mon casier. Allô? Une règle. Qui sent la fraise, le raisin. C'est super. J'ai tout pris au bureau en gros. Donc en France, je pense pas que vous avez ça. Vous avez Carrefour. J'ai un Becherel. Puis j'ai un dictionnaire, mais il est vraiment vieux, ok? Parce que j'avais ça à la maison, je sais pas, il a besoin de m'acheter un. Mais il est comme vraiment vieux. Dictionnaire anglais-français. J'ai mon set de géométrie, donc un ensemble de géométrie de 5 stars. Il y a 10 morceaux. Et flashcards, parce que je les ai enlevés dans le plastique, je les ai mis dans le sac de cloque. C'est tout? Ah bon! Bon, là je vais tout remettre là-dedans. Donc, après, dans la pochette d'en avant, donc la plus petite, j'ai quand même assez d'affaires, par exemple. Ça, c'est des étuis.
J'ai 4 dessus en passant là, elle était en dessous. Ok, pour commencer, j'ai un réglure calorier. Ah, désolé, je me suis beaucoup trompée. Tous mes fournitures scolaires viennent du Carrefour. Pour, viennent de Carrefour. Carrefour, c'est un magasin en France. Fait que quand j'étais en France, j'ai tout acheté mes fournitures là. À part mes sacs, mon sac, mes étuis, puis tout. Non, vraiment, ils viennent du Staples. Fait que un réglure calorier, le Ilroy, là, en ce cas, c'est des pages calorier. Fait que 160 pages. Fait que c'est juste comme ça. Après ça, j'ai deux cahiers de notes. Le premier, c'est quand même assez gros, plus gros que l'autre. Comme ça. C'est normal. Puis dans le dedans, il y a comme les pages chocolat.